Si gen yon baga ki fe anpil fanatik football pantan ye se nouvel sa bin Ronaldinho Gaucho li an ba men la polis nan peyi Paraguay. Ki sa ki pase mes ami, koman sa te e pou ki sa football bagay sa arrive la? Donc sa son istwa ki vreman long. Ma vin avek tout detay pou men pran san pou gade video sa jiska la fin e pa rate oken nan sa nap di nan video sa. An tout le ka, la ponti pozant pou netale kon sa pou nka vin avek plus detay. Bonjour tout le monde, non pas nous c'est Mère Jean Albert, je vous abonne aujourd'hui à son vidéo qui est différent parce que nous consacrer avec crack brésilien et monde football là te reconnaître et mettre chapeau bas devant qui c'est Ronaldinho Gaucho. Mais hier là monsieur il entre dans bagay qui vraiment pas gain en rien avec un footballeur, son bagay qui vraiment là et nous connaît la justice vraiment condamné bagay ça mes amis. Mais Ronaldinho Gaucho n'a un problème avec la justice dans le pays Paraguay, j'en nous sommes nous ça là déjà. Mais on vient avec tout détail comment ça fait arriver là, comment on est avec Ronaldinho Gaucho qui a arrivé dans l'état pareil. Et mes amis, juste avant d'entrer dans l'état, pas oublier, mettez un like en bas vidéo ça et abonnez avec la chaîne YouTube là pour encourager nous mes amis. Cliquez sur le bouton rouge en bas vidéo pour abonner et activer la cloche de notification surtout pour ne pas rater aucune dernière vidéo nous allons mettre soit sur l'actualité football, tout ça qui passe dans le monde football à venir sur la chaîne YouTube pour améliorer et pas oublier d'avoir une belle application pour utiliser pour téléphone mobile. On y a en aller dans le détail pour qui ça Ronaldinho lui-même li nan problème là. Et bien, juste avant d'entrer dans les détails, un bref petit historicité sur Ronaldinho, nous connaissons ça déjà. Donc, monsieur, il fait 21 mars 1980, il a 39 ans sous tête, et il fait une ville qui est Porto Alegre, et dans un état dans le Brésil qui est Rio Grande do Sul, qui vraiment est un état qui est tout près Argentine, dans le pays Brésil. Donc, il mesure 1m81 et il salaire, monsieur, en 2013, il était 9,6 millions de reals. Donc c'est vraiment un joueur qui gagne un pile corps, mais ça pas empêcher que actuellement il a passé des difficultés. Disons c'est pas une difficulté économique parce que c'est ambassadeur, FC Barcelone, etc. Mais quand même, donc il y a un peu de difficultés que il a traversé dans le moment ça. On a dit qu'il y a un frère qui est Roberto Dias Moreira, donc c'est exactement avec frère ça que il était vraiment arrêté Ronaldinho dans le pays Paraguay. Et il y a un seul qui est Daisy Dias Moreira. Bon, en tous les cas ça c'est pas de on a vu parler, mais quand même nous allons parler exactement de qui ça qui passait dans pays Paraguay. Année passée, dans l'époque consacrée, nous avons fait une vidéo pour nous dire que, disons, année passée, dans la finale année, nous avons fait une vidéo côté pour nous montrer que Ronaldinho, disons, était un gros problème avec la justice dans l'État Rio Grande do Sul. En plus, nous avons commenté la vidéo, nous avons pas menti, etc. Donc, il n'y a pas bien informé. Et surtout, nous-mêmes, nous venons avec vérité, nous avons toujours montré qui ça qui a passé exactement. Mais qui ça qui est passé? Donc, la justice pays Brésil a pris le passeport Ronaldinho Gaucho. Pour qui ça? C'est parce que Ronaldinho a construit, disons, un petit bagaille pour faire plaisir. Donc, tout près de lagon. Donc, il y a le lagon, mais comme si c'est tout près d'un petit lot qui est là, comme si c'était un et réserve ambientale. Okay? C'est comme ça que les bagailles sont dans le pays Brésil. C'est comme si c'était un côté qui est réservé pour environnement que aucun monde pas de construit en rien là-dedans. Donc peut-être ça en 2015 disons il a été construit bagaille là, il était bali yon et nous ka di yo bali yon amende pour payer qui était environ 800 000 reais. Donc dans l'époque ça en 2015 Ronaldinho Gaucho lui-même n'a pas décidé payer amende ça. Donc t'as des bien qui ça ne pas dire. Donc en 2015 il pas de payer amende là. Donc lui mais amende là était là l'a fait l'a accumulé, mais il devait arriver 8 millions reais dans l'année 2019 qui s'est passé là. Définitivement, il laisse arriver en novembre l'année passée. Donc la justice dans Rio Grande do Sul, donc c'est justice estadual, mes amis, c'est pas bagarre en rien avec pays Brésil. Donc il y a quand même parce que état pays Brésil là qui c'est Rio Grande do Sul, il a décidé saisir passeport ni Ronaldinho et frère là tout. D'après ça, on dit. Mais nous, on a parlé de Ronaldinho Gaucho. Eh bien, passeport, monsieur, la justice pays Brésil a décidé de confisquer. Définitivement, il est entré dans un accord, parce que on ne peut pas dire comme ça que après ça, après novembre, Ronaldinho a voyagé. Ça, sans aucun problème. Eh bien, oui, effectivement, il est entré en accord avec la justice dans le pays Brésil. Mais il est venu balle passeport et il est payé une affaire de 6 millions de reais. Ils sont pas comme ça.
Après ça, le fin de passeport, il faut nous dire que Bolsonaro, qui est président du pays du Brésil, a été nommé Ronaldinho Gaúcho comme ambassadeur du tourisme dans le pays du Brésil. Il y a qui fait un pile tour là depuis surtout hier avec le journal du Brésil qui a dit regardez, ils ont honte, etc. pour un ambassadeur de tourisme pour arrêter là avec faux passeport. En pile parler, en pile, n'a pas éclairci tout le bagage pour passer nous connaître Ronaldinho Gaúcho et tout le monde qui aime le football de Ronaldinho Gaúcho. Définitivement, eh bien, monsieur, il était voyagé pour aller dans un spectacle, disons, gagne un bagage, gagne un orphelin, mais c'est une association qui a pris soin de tout le monde, etc. Donc, on a dit qu'il était allé pour faire un événement pour lui, pour ramasser comme. Il a tout et profité de l'occasion pour lancer un livre et génie de la vie, ok, génie du siècle, etc. Donc, je ne sais pas exactement comment le livre est arrivé, mais quand même, c'est le génie du siècle, génie, il y a un génie là-dedans. Qu'on y a là, mais ça qui passe, pour. Mais c'est pas seul passeport seulement, mes amis, c'est passeport avec une identité. Donc, pour les gens qui sont habitués avec moi, ça, avec un cèdre qui vous fait le cadeau comme si c'est un citoyen paraguayen. En tous les cas, on a en allant dans plus de détails toujours parce que je pense commencer à comprendre là. On a dit que Gaúcho lui-même, Léo Fin arrêté là, il fait qu'on est que passeport ça avec 7 dollars que valia, il pensait que c'est un courtoisie de gouvernement paraguayen. Nous passer dans pays d'Haïti tout bon la caipane, mais en pile monde qui était faire ça, on a dit que Gaúcho grand joueur ça, probablement pas on s'est pas accepté nationalité mais quand même moi si m'étais président, donc on a dit m'étais venu dans pays, m'ta faire le cadeau passeport haïtien et m'ta faire le cadeau yo quatre identité tout pour prendre plaisir dans pays. En tous les cas, ça c'est opinion pas, on a dit que c'est joueur football, moi même football, m'étais faire comme ça. Mais monsieur clairement c'est tout que pays Paraguay te fait le cadeau et passeport ça avec 7 dollars ça pour te prendre tout plaisir dans pays. Mais gon l'autre bagage qui dit tout, est-ce que Ronaldinho Gaúcho prend bagage ça parce qu'il connaît probablement à l'avenir il y a bien problème avec la justice pays Brésil pour te voyager passer Paraguay voyager exactement. On met un accent sur les points ça pour un brésilien aller dans pays Paraguay, il pas besoin de passeport. Il a juste besoin de carte d'identité ou bien RIG. Donc il a juste besoin pour nous carte d'identification nationale. Ça seulement capable aider voyager dans le pays Paraguay sans pas besoin de passeport. Mais définitivement, quand on est là, nous parlons avec deux parties. Nous capable dire que moi, pour moi-même, en plus journal de radio, il y a deux versions. Mais t'as semblé que c'est représentant qui t'est entré dans le pays Brésil et puis qui t'est bal ni monsieur ni frère passeport ça pour voyager. Nous parlons de raison parce que en pile bagaille Ronaldinho là actuellement il était libéré, OK, faut que nous dire que Léo fin prend monsieur et il est allé dans et hôtel ensemble avec etc. Il a fouillé chambre hôtel, il était même des policiers qui fait photo ensemble avec Ronaldinho Gaúcho, même pas caché par le tout. Nous avons un policier et puis m'arrêté monsieur avant m'arrêter dans petit bord de camp là ba mon photo avant après ça m'arrête. En tous les cas, bon soir après ça me dit mais moi si ça m'a fait. OK, ça c'est opinion pas. En tous les cas, il était dans chambre hôtel monsieur, il fouillé toute bagage etc. et Ronaldinho était vraiment collaboré ensemble avec eux pour te dire que le pas qu'on a de bagage ça, c'est juste balio, il pense que c'est un courtoisie que le gouvernement te fait. Donc il met représentant ça actuellement là, il en bacode la répondre question à la justice. Mais Ronaldinho Gaúcho était libéré normalement, donc mais il pas décidé entre le Brésil hier. Disons, il était décidé de rester pour te faire toute ça de faire parce que si ça t'a le fait, ça va tellement nuire tout parce que et c'est Ronaldinho Gaúcho, mais il faut ne pas cacher par l'eau, utiliser faux passeport dans le pays, ça a son bagage qui est vraiment grave. Et si M. Padre le Ronaldinho Gaúcho, si pas qu'on fait goal, ça a bon, en tout cas, c'est grave pour lui. Donc, on espère qu'on comprenne de A à Z qui s'est arrivé Ronaldinho Gaúcho. Donc, c'est pas lui même qui a fait un faux passeport pour lui aller. Donc, c'est un représentant qui a fait un bal passeport. Il y a un journal qui dit que c'est dans le pays Brésil qui a fait un poteau pour lui, mais il y a un journal qui dit que c'est dans le pays Paraguay, le Ronaldinho arrivé au bal passeport. Ça même plus penser que c'est dans le pays Brésil d'apporter passeport ça pour parce que pour être capable que la possession de faux passeport et c'est que il faut qu'il était passé dans l'aéroport ensemble avec. Il y a un autre bagage encore faut qu'on dise que numéro passeport ça yo et ni par là ni par frère là donc c'est ni deux numéros passeport qui appartiennent avec deux monde qui âgé deux grands monde femmes donc le numéro passeport ça va pas gain rien à voir avec Ronaldinho Gaúcho donc c'est des faux passeports non seulement et Ronaldinho lui-même pour ta un citoyen paraguayen faut qu'il t'a fait 3 ans de travail dans pays Paraguay mais tout et numéro passeport pas pour Ronaldinho Gaúcho.
J'espère que vous avez compris la vidéo, ça, mes amis, très bien. Et qui ça qui a passé, Ronaldinho Gaucho? Pas oublier, mes amis, juste avant nous aller, mettez un like en bas de la vidéo et partagez. Et surtout, si vous pouvez abonner, abonnez à la chaîne YouTube là. Et à la prochaine pour la vidéo. Que mon Dieu bénisse, ne pas oublier, préparez dans nos vidéos, ça sont pas